Hello les amis, c'est Master Snaku. J'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui, vidéo facecam. Bonjour, comment allez-vous? C'est Master Snaku. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, c'est parce que aujourd'hui, c'est une date assez spéciale. C'est les 2 ans de ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne il y a 2 ans, le 16 février 2013. T'entends? 16 février 2013, bon 2015 moins 2, 2013 forcément, hein. On est un petit peu bon en maths. Non, plus sérieusement. Ma chaîne a 2 ans aujourd'hui, jour pour jour. J'ai posté ma première vidéo il y a 2 ans. Waouh. Genre, c'est quand même hallucinant, quoi, de se dire que ma première vidéo, je l'ai postée il y a 2 ans et que... C'est de prendre ce recul-là et de s'imaginer, c'est quand même hallucinant. En tout cas, je voulais commencer par vous remercier. Vous avez vu, je tape pas des mains comme ça. Parce que sinon, en fait... Sinon le micro ne capte plus, donc des fois je tape des mains et les gens me disent mais on t'entend pas quand tu tapes des mains parce que ça sature le micro. Du coup je tape comme ça tout doucement des mains. Merci infiniment les amis, merci à tous du fond du cœur, vraiment pour ces 2 années hallucinantes. Merci à vous d'avoir fait en sorte que je puisse entre guillemets prospérer sur YouTube. C'est une vidéo vraiment freestyle, donc j'ai pas de plan ni rien. J'ai cliqué sur commencer l'enregistrement et du coup je vais parler pendant 1 heure. 1 heure, je vais vous raconter ma vie. Vous allez écouter ma vie pendant 1 heure. Non, sérieusement. Vraiment en fait, merci infiniment à tous pour votre soutien, tout simplement pour votre présence, parce que c'est vrai que t'as beau faire la vidéo la plus entre guillemets, j'allais dire excellente, mais la plus chiadée possible, d'accord, qui sort de la norme et une vidéo entre guillemets interstellaire. Si t'as pas de public qui suit derrière, si t'as pas de viewers, si t'as pas de feedback, de retour, malheureusement, c'est pas forcément l'idéal et c'est pas forcément cool. Surtout pour nous, parce que bah, derrière, enfin, pour ceux qui font du montage et qui se tapent le cul avec... pardon, qui se cassent le cul plutôt avec 5 heures pas 2-3 jours de montage et qu'au final, la vidéo ne marche pas, c'est pas forcément l'idéal. Mais je voulais vraiment vous remercier, en fait. C'est vraiment énorme. Bon, ce sera pas une vidéo FAQ parce que j'en ai déjà fait une et elle a pas beaucoup changé. D'ailleurs, vous la retrouvez dans la description. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description. Oula, regarde ici, tu vois, elle s'affiche là. Bam, direct, tu vois. Et non, sérieusement, c'est quand même hallucinant. Ma vidéo FAQ n'a pas changé depuis, parce que je l'ai faite, je crois, en août, je crois. Et depuis août, il n'y a pas eu énormément de changements. Si ce n'est que, attention, désormais, je peux enfin vivre de... ma passion, de mon activité YouTube et Twitch, et c'est pour ça, cela que je voulais vraiment vous remercier. C'est vrai que vous avez fait en sorte que je puisse vivre de ma passion. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Tout le monde essaye de... Enfin, je pense que c'est un peu l'objectif de tout le monde, hein, vraiment, de vivre de sa passion, de se lancer dans quelque chose, dans un projet à 200%, et espérer en tirer des revenus, t'entends ? Et malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et le fait que je puisse, moi, en vivre, c'est vraiment quelque chose genre qui n'a pas de prix, quoi. Je me dis, je me lève le matin, tu vois, et j'ai pas allé au boulot, quoi. Parce que, bon, avant, je travaillais, mais c'est vrai que maintenant, je travaille plus. Et c'est devenu, en fait, mon activité principale. Et j'ai l'impression de me répéter, en fait, depuis tout à l'heure. Mais tout cela, en fait, les amis, c'est vraiment grâce à vous. Sans vous, ça n'aurait malheureusement pas été possible. Et je tenais vraiment à vous remercier... face à face, quoi. Face to face, you know, you understand. C'est vrai que je voulais faire une vidéo... tu sais, je me suis dit, pour mes 1 an de la chaîne, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, que je vous mettrai dans la description pour que ça intéresse, sur Titanfall. C'était une vidéo pour les 1 an de ma chaîne, j'avais fait un petit peu le bilan. Mais c'est vrai que, reprendre encore un gameplay, dire salut tous, c'est Master Snaku, on se retrouve pour une vidéo gameplay sur un... C'est un peu relou. Et je me suis dit, pour les 1 an de ma chaîne, je vais faire un truc un peu spécial. Pour les 2 ans de ma chaîne, je vais faire un truc un peu spécial. Donc je pense que donc personne ne s'attend, personne ne pense que je vais faire ça, mais je pense que ça, j'espère que ça vous plaira, enfin j'espère que ça vous plaît. Ça te plaît ou pas? Dis-moi, t'aimes ça ou pas? Tu me dis, hein, est-ce que tu veux d'autres vidéos facecam comme ça, face to face, you understand, you know what I mean? Ouais, je vous dis, en fait, ça va être une vidéo one shot, donc je vais pas faire de montage, je vais pas faire de coupure, je vais pas mettre d'intro, outro, transition et tout, je vais la laisser one shot d'un seul bloc et je vais l'uploader, parce que je vais vraiment, en fait, j'ai vraiment envie de parler et pour le coup, vous remercier de vive voix, encore une fois, merci, parce que, ça, en fait, c'est un mot qui paraît ultra simple, mais on est quand même... 66 000 sur ma chaîne YouTube, sachant qu'on était il y a 1 an à 24 000. Waouh.
En un an, en fait, j'ai fait 24 000 abonnés, et en un an encore, j'ai fait, boum, 66 000, quoi. C'est hallucinant. Je pense que, en 2 ans de chaîne, 66 000 abonnés, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi encore une fois dans les commentaires. Mais je pense que c'est pas trop mal, genre 66 000 abonnés pour 350 vidéos. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle performance. Après, c'est vrai que on peut toujours faire mieux, mais j'en suis assez fier, donc ça va, hein, ça va. Et ce dont je voulais parler encore, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, grâce à vous, en fait, je peux en vivre, et ça a vraiment changé, parce que, avant, je travaillais, et je rentrais le soir, je faisais mes vidéos, ma vidéo, ou mon live, mais maintenant, ce qui est cool, c'est que j'ai un peu plus de temps libre, même si ça se voit pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de bonnes vidéos qui sortent, mais j'ai vraiment plus de temps libre, et du coup, je peux vraiment me consacrer à mon activité à part entière, à temps plein, et faire vraiment ce que j'aime, et ça, ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y a la Mastercard. Et putain, je dis que de la merde. Mais je voulais vous parler aussi d'un jeu concours, parce que c'est vrai que généralement, les gens ont tendance en fait à faire des jeux concours pour célébrer les 1, 2, 3 ans de la chaîne. Malheureusement, je peux pas en faire, parce que comme vous le savez sans doute, YouTube a changé sa politique quant au jeu concours. Et c'est très compliqué en fait de faire un jeu concours, parce que tu peux te faire sucrer ta chaîne, et ils sont devenus vachement stricts là-dessus. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est que je ferai le jeu concours ce soir en live. Pour ceux qui regardent cette vidéo, le 16 février 2015, je vais faire un live ce soir sur ma chaîne Twitch pour tout simplement célébrer les 2 ans de la chaîne. Donc ça va être un live special live, live stream. Et du coup, vous avez ma chaîne Twitch dans la description. Ou sinon, ça affiche en haut, là, vous pouvez cliquer dessus directement. Attends, clique pas dessus, laisse-moi finir, après tu viendras cliquer dessus. Donc voilà, enfin, je ferai un live, et du coup, je pense que je vous ferai gagner 2-3 lots en live à tout le monde, pas uniquement au sub. Enfin, je le ferai gagner à tout le monde. Il n'y aura pas de, forcément de restrictions par rapport aux participations. Je vais aussi vous parler d'une autre chose, c'est des lives. Parce que du coup, vu que j'en parle, je vais continuer sur le sujet. J'en fais pratiquement tous les soirs, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Enfin, de temps en temps, j'annonce sur YouTube, j'annonce pas systématiquement comme certains, j'annonce que de temps en temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je fais des lives pratiquement tous les soirs sur ma chaîne Twitch. Encore une fois, vous l'avez dans la description. Ok, je vais pas le rafficher sur l'écran. Mais voilà, je fais pratiquement des lives tous les soirs, donc je prends pas la peine de l'annoncer tous les soirs sur ma chaîne YouTube, parce que je trouve ça sent assez redondant, genre toujours poster une vidéo, salut, je suis en live, viens, clique sur le truc. Voilà, je passe l'annonce ici, je suis en live tous les soirs, donc si tu veux venir me voir, t'es bienvenu. Et par rapport à la chaîne Twitch, il y a aussi un TeamSpeak qui est disponible pour vous les amis, si jamais vous voulez, c'est un TeamSpeak communautaire, vous avez l'IP du TeamSpeak dans la description. Et comme ça, vous pouvez venir, et il y a des channels, vous pouvez vous switcher avec vos amis, et discuter, jouer, enfin, c'est vraiment un TeamSpeak communautaire, et tout le monde est le bienvenu. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que la vidéo, je veux pas qu'elle fasse non plus 10 ans. Encore une fois, merci à tous, parce que c'est vrai que, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Une dernière chose, en fait, j'aurais une question à vous poser, parce que du coup, là, en fait, je vais avoir besoin de vous. Comme vous le savez sans doute, en fait, j'ai fait un petit peu le bilan de ces 2 dernières années. Ces 2 derniers jours, j'ai fait le bilan des 2 dernières années passées sur YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui était marrant de voir, c'est que ma méthode, en fait, de parler, ma méthode de ma façon de m'exprimer et de commenter a vraiment changé avec le temps. J'étais vraiment beaucoup plus à l'aise ces dernières années. C'est quelque part, c'est normal, parce que je pense que c'est le cas, c'est pareil pour tout le monde. Quand tu ouvres une chaîne YouTube ou que tu commences un nouveau projet, t'as forcément cette petite boule au ventre, tu sais, de ne pas forcément plaire, de ne pas forcément correspondre aux attentes de chacun. Mais comme on dit, ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que maintenant, j'exprime devant la cam, mais avant, enfin, ça aurait été juste, je pense, impossible. Mais surtout, en fait, dans ma manière de m'exprimer, enfin, j'ai regardé la première vidéo que j'ai faite sur la présentation de ma chaîne, et alors je suis là, bonjour, c'est Master Snaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Et c'est marrant de voir l'évolution, en fait, des commentaires, de voir comment tu évolues, en fait, et comment tu deviens de plus en plus à l'aise avec avec simplement le micro et le public, ou même la caméra, et c'est vraiment plaisant, en fait, à voir. Après, il y a aussi eu une petite amélioration de ma part, parce que c'est vrai qu'au début, je parlais extrêmement vite, et d'ailleurs, là, je parle encore extrêmement vite, mais je sais que c'est un défaut que j'ai, c'est que je parle très très vite, et donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour avoir un petit feedback, un retour, en fait, sur ces 2 dernières années, même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent que depuis pas longtemps, enfin,
depuis, je pense, un an, voire même moins. Je suis vraiment curieux de savoir quel est votre ressenti par rapport à moi. En gros, pour faire simple, qu'est-ce que vous aimez chez moi et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez moi, histoire de vraiment s'améliorer. Par contre, je veux des commentaires constructifs, pas des trucs du genre j'aime pas ta couette derrière, ouais, j'aime pas. Enfin, des trucs voilà, qui me permettront de m'améliorer et de faire du meilleur contenu. Parce que comme je vous l'ai dit, mon but c'est vraiment de faire des vidéos de meilleur contenu, enfin de wow, le mec il sait plus parler. De faire des vidéos de meilleure qualité, un meilleur contenu, de faire des trucs un peu plus pro, un peu plus carré. Comme vous le savez sans doute, je vais faire un nouveau PC bientôt. Du coup, je vais avoir un PC pour faire des lives, pour streamer, un PC pour jouer. Pareil, j'aurai un PC pour encoder, un PC pour jouer. Enfin, je veux vraiment en fait m'améliorer dans ma manière de vous proposer des vidéos et aussi en fait vous en sortir de manière plus régulière. Enfin, vraiment plus souvent parce que ces derniers temps, il y a vraiment en fait un manque de contenu sur ma chaîne. Mais bon, après, c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeux intéressants. Mais j'ai vraiment envie de vous faire pas mal de vidéos, pas mal de contenu, vraiment m'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre avis. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de moi, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que vous aimeriez plus voir sur ma chaîne, ce que vous aimez chez moi, ce que vous aimez pas chez moi. Enfin, vraiment, allez-y quoi, j'ai besoin de vous. C'est là où vous devez vous exprimer, d'accord, dans la chaîne, c'est maintenant. Et j'ai fini en fait par remercier quelques personnes parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en fait ont contribué à mon succès, on va dire, à mon épanouissement sur YouTube de manière volontaire ou pas. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la team. Merci à vous, les amis. Ça fait extrêmement plaisir de voir que, déjà, on s'est agrandi parce que c'est vrai qu'au début, on n'était pas beaucoup. On était genre 4-5. Et que le temps, bon, forcément, on s'est agrandi. Je pense que vous le savez, vous avez la vidéo FAQ, s'il y en a qui veulent plus de détails. Mais c'est vrai que je tenais vraiment à les remercier. Tipex, Wolf, Zunga, Eight, enfin, tout le monde. J'ai pas envie de faire une liste exhaustive, mais vraiment... tous les remercier, ça me fait vraiment super super plaisir. Remercier aussi les amis youtubeurs, les collègues youtubeurs, avec qui on s'entend super bien quoi. Je vais pas citer les noms, mais je pense que vous savez avec qui je fais des vidéos, avec qui je joue, etc. Donc vous les connaissez. Merci infiniment les amis, merci à vous. Ça fait super plaisir, comme d'habitude. C'est la famille. Et merci à vous, ça fait super super plaisir encore une fois. Et je pense que je vais m'arrêter là, et après je remercie aussi plein d'autres personnes, tous mes graphistes, toutes les personnes qui ont contribué au développement de ma chaîne, donc à savoir Tipex pour mon logo, mes bannières, Seros, je t'oublie pas l'ami, pour mes petits logos sur Twitch en bas, donc dans ma description, et qui te recourir, PPG Mind, et Tintin, pour mon logo, pour mon design du t-shirt, plein d'autres encore, enfin, je peux pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Et merci infiniment, les amis, franchement, ça c'est grâce à vous. Si j'en suis là actuellement, aujourd'hui, à presque 70 000 abonnés en 2 ans, c'est grâce à vous. Merci encore une fois du fond du cœur. Ça peut paraître un peu redondant, genre merci, 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 mais c'est. Les mecs vont se dire, même c'est bon, ta gueule, mais vraiment, je sais pas quoi dire, ça fait vraiment super, super plaisir. Thank you, welcome. Merci beaucoup, les amis, ça fait super plaisir. Je vais m'arrêter là. La vidéo fait déjà presque 15 minutes, donc je pense que c'est un bon format. Comme d'habitude, je le rappelle encore une fois, je vais faire un live aujourd'hui, ce soir, pour célébrer les 2 ans de ma chaîne. Donc vous avez la chaîne Twitch dans la description, ou sinon qui s'affiche à l'écran, mais je pense pas qu'elle s'affichera à l'écran, du coup elle sera dans la description. Et pour les autres, on se donne rendez-vous très bientôt, pour ceux qui vont pas venir en live me voir. Triste, on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, d'accord? Une vidéo facecam, la première vidéo de la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous voulez voir ma gueule? Est-ce que vous voulez plus voir ma gueule? Dites-moi, Tintin, dites-moi, je veux savoir. Bref, les amis, je vais m'arrêter ici, encore une fois. C'est une vidéo assez brève. Mais je voulais vraiment, vraiment vous remercier, parce que... sans vous, nothing's happens. Ça n'aurait pas été possible, Tintin. Allez, on se quitte ici. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Master Snaku. Ciao tout le monde. Ta mère. Ah merde, faut que je coupe. Merde. Allez, salut. C'était Master Snaku. Salut. Comment on coupe? Ah, c'est là. Tchuss!